Et salut à tous, c'est Ricolet, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Nidhogg, qui est un jeu sur Steam actuellement, et qui est tout simplement un jeu d'escrime. Donc franchement, petit jeu très très sympathique, qui malheureusement pour le moment coûte trop cher pour ce qu'il est. Pas assez de contenu, donc pas assez de map, pas assez de mode, pas assez de choses. C'est bien dommage parce que on a affaire à un jeu excellentissime. Et voilà, le but c'est juste des combats de personnages quoi qui se battent avec des épées. Et ce qui est bien c'est que le jeu, de par sa simplicité, par sa maniabilité super simple, au final devient ultra technique. Alors je vais essayer. Voilà, GG moi. Voilà, donc en fait le jeu ne se résume que qu'à ça en fait. Voilà, c'est vraiment que des combats d'escrime, faut essayer de gruger l'autre. Et le gros délire dans l'histoire, alors là j'ai pas d'épée. Oui! Voilà. Donc le délire dans l'histoire, c'est qu'en fait on a une arène centrale, donc là où j'ai démarré. Et ensuite, on doit aller jusqu'à l'arène qui a tout à droite. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Alors j'essaie de me concentrer en même temps, c'est pas fastoche. Donc voilà, donc ça c'est le dernier écran. Donc comme je vous disais, en fait il y en a deux ou trois, non trois, pour arriver jusqu'à voilà, jusqu'à cette scène finale où on va se faire manger par un gros monstre. Voilà. Donc voilà, le jeu ne se résume qu'à ça. Ça peut paraître super simpliste. Il y a pas mal de répétitions. Sachant que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait il n'y a que 4 maps. 4 maps, le jeu ne se résume qu'à ça. Il n'y a pas d'autres modes. Alors il y a des modes si on joue en VS. Oui. Non! Putain, j'ai failli me tuer moi-même. Donc ouais, il y a que 4 maps. Et c'est tout là qui est le défaut de Nidhogg, c'est qu'il n'y a pas assez de maps. Et ça, c'est vraiment le gros défaut du jeu, quoi. Pas assez de contenu. C'est très 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 dommage. Très dommage parce que, franchement, voilà, on y joue 5 minutes, 10 minutes. On commence déjà à en avoir un peu marre. Et le solo ne se limite qu'à affronter l'IA en permanence comme ça. Et toujours sur les 4 mêmes maps différentes, en fait. Donc, c'est très très lourd à la longue. Mais ça n'empêche pas que le jeu en reste super sympathique et qu'à chaque fois que j'y joue, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Toutes les maps ne sont pas forcément géniales, sincèrement. Celle-là, je la trouve pas géniale. Parce que franchement, parfois, on voit... Ah, quel abruti, on voit pas l'épée. Donc, c'est pas génial, génial. Ah! Quel salaud, il m'a eu. Donc voilà, mais en tout cas, en multi à deux joueurs, ça peut être très très sympathique. Sachant qu'en plus, on a des modes genre pour toucher la personne qu'une fois et il meurt. Enfin, il y a pas mal de petits trucs bien comme il faut, quoi. Alors j'aime beaucoup balancer mon épée à chaque fois. Ah, ça me fait rire, quoi. Voilà. Alors parfois, c'est chiant parce qu'on peut se retrouver... On peut se retrouver bloqué sur le même écran mais pendant 3 heures quoi. Donc c'est pas forcément évident. L'IA elle nous permet pas beaucoup de respirer en fait. Sachant que l'IA est pas forcément la plus dure au fur et à mesure. C'est pas un jeu qui monte crescendo. Voilà, ça reste quand même assez basique, assez facile d'accès quoi. Ah, putain. Enfin je dis ça, mais en fait depuis tout à l'heure je me fais avoir comme un abruti quoi. Voilà. Alors parfois il faut essayer de désarmer son adversaire d'abord avant de pouvoir le toucher. C'est pas non plus très évident. Musicalement parlant, le jeu, il est ce qu'il est. Sincèrement, il a une musique super, enfin une bande son super bizarre, notamment dans la map du château. J'aime beaucoup cette bande son. Sinon après voilà, c'est pas non plus des titres que... Oh là là. Des titres dont on se rappellera toute notre vie. Crac, voilà, ça c'est fait. Alors. Voilà, GG moi. Et j'ai terminé. Oui, merci, merci, merci. Alors ce qui est nul, c'est qu'à chaque fois, même si on gagne, on a toujours l'impression de perdre à cause de ce dragon. Donc voilà.
Alors je crois que j'avais vu avec un pote qui me disait que justement Nidhogg ça avait un rapport avec une certaine mythologie dont je ne me rappelle plus ces mythologies. Alors je sais pas si c'est. Rah, j'arrive plus à me rappeler quelle mythologie en question. Mais apparemment Nidhogg, je crois que c'est en rapport direct avec justement le fameux gros ver de terre comme je l'appelle moi, qui nous bouffe à la fin, qui serait en fait un dragon. Voilà, donc à voir. À voir si c'est si c'est réellement ça. Alors j'aime beaucoup cette map aussi parce qu'elle est super claire. Elle est très colorée. Ah! Non! Alors, voilà, là en fait il n'y a que ça que j'aime pas dans ce map. C'est ça. Alors là pour le choper. Voilà. Non! Putain, alors là, j'y crois pas, il m'a eu. Comme je marronne. Donc vous voyez, c'est quand même assez. C'est quand même assez technique. Oui! Ouf! Non! Non! Quel abruti, quoi! Allez, de toute façon on va essayer de terminer cette map. Et puis après je pense que. Alors là pour se sortir de là. Eh zut. Ah ça. Voilà, on va terminer cette map et puis après ça suffira amplement. Donc voilà, du coup, votre but à vous, je vous l'ai montré. L'ennemi fait exactement la même chose. Son but ça va être d'aller jusqu'à la map de gauche. Donc jusqu'au final screen de gauche. Et s'il y arrive, bah, vous avez perdu. Hop. Ah, oh, j'y crois pas, quoi. Moi, ça m'arrive jamais, ça. Qu'est-ce qu'il fait, là? Voilà, tiens dans la tête. Bim. J'aime pas du tout ça, ce passage comme ça. Ah, oh, putain, j'étais persuadé que c'était lui qui était désarmé. On va le laisser croire. Oui, non. Oui. Ah! Voilà, file malin! Hop. Allez, deux deux. On continue. Cours. Ah, putain. Je me suis dit, ça va passer comme ça. Ah, putain. Alors là. Quand ça va pas en fait. Je crois que je vais pas y arriver. Ah, vite, l'écureuil. Donc voilà, en tout cas, c'est dommage parce que c'est un jeu qui mériterait beaucoup plus de contenu. Et apparemment, alors je sais pas s'il faut plus de gens ou des serveurs plus stables ou quoi, j'en sais rien. Parce qu'en tout cas, moi pour l'instant, le jeu vient de sortir. Et de ce que j'ai vu 3 personnes connectées. C'est très maigre pour jouer un jeu comme ça. C'est dommage parce que franchement, c'est un jeu qui mérite plein de choses. Ah, quel abruti. C'est un jeu qui mérite plein de choses, je trouve. Hop. Ça pourrait être. Ça pourrait être très joué. Des combats là-dessus, moi j'en rêve, quoi. C'est. Alors, hop. Voilà, tiens. Alors, c'est pas évident, puisque à chaque fois il revient. Ah non! À chaque fois il revient, quoi. Donc, il faut faire au plus vite, en fait, une fois qu'on l'a tué. Alors, voilà. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas, l'IA a bien joué. Je sais pas si c'est bien joué ou c'est. Ah! Ah, oh, j'y crois pas. My name is Inigo Montoya. Allez hop! You kill my father. Prepare to die. Je sais pas si vous connaissez ce film, quoi. Très drôle. Un gros nanar, quoi. Où le mec en permanence il répète ça, quoi. Allez! Ouais bon, ça veut pas, ça veut pas. Alors c'est bien parce que ça peut durer des heures, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien, donc c'est juste du combat à l'épée. Alors déjà voilà, ça c'est bien, j'ai perdu mon épée. Donc il me reste plus qu'à 4, voilà, 4 AC et à crever. Donc on va essayer de passer. Ouais, je trace cette fois-ci, je cherche pas à comprendre. Oh putain. L'IA joue bien. L'IA joue très bien. Oh putain, c'est pas vrai ça. C'est impossible quoi, c'est. En plus il y a mon sang tout jeune par terre. Au fur et à mesure ça se répand. Non, non, non. Voilà. Au moins il a perdu son. Crac. Voilà. Attends, je dis ça, mais attends, je vais pas y arriver là.
Oh, c'était beau ça. Non. J'étais super confiant en plus. On va pas laisser l'IA prendre le dessus. Hein. Oh non. Putain, en plus ma cabriole était super belle. Hop, hop, ninja, ninja. Laisse-moi passer. On va gruger. Non, vite. Ah. Oui. Crac. Voilà, final screen. On va essayer de tracer. Ah. Oui, j'ai gagné. J'ai triché. Non. Et voilà. J'ai beau faire n'importe quoi, à chaque fois c'est toujours pareil, il me bouffe. Donc voilà. Et donc j'en profite pour vous montrer la dernière map, qui est le château. Donc voilà, c'est... Franchement, je trouve que c'est la meilleure map. Sincèrement. Ah putain, quel abruti. Hop. Je trouve que c'est la meilleure map parce que le fond noir avec les personnages comme ça, bleu, jaune, vert, ça ressort super bien quoi. Et c'est ça qui est réellement agréable en fait. En plus la musique derrière est assez bizarre quoi dans le château donc... Ah putain. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille le jeu mais quand ce serait un prix vachement raisonnable parce que là... Pour démarrer, 14€, ça fait quand même beaucoup 14€ pour ce que c'est, sincèrement. Il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en aura d'autres. C'est dommage que le jeu se veut aussi minimaliste que ça. Que ça soit minimaliste au niveau des contrôles et tout, la maniabilité, je comprends. Au niveau des graphismes, je comprends aussi, parce que ça reste quand même agréable et sympa à regarder et à jouer. Mais que après au niveau de son contenu, ça ne... possède que 4 maps et que dalle à côté. Pff, franchement c'est très lourd, c'est très très lourd et GG moi. Et du coup bah c'est pas acceptable, je trouve c'est pas acceptable, surtout à ce prix là c'est pas terrible, c'est pas génial. On va y arriver. Non. Oui. Non. Bon, j'ai dit que je vais terminer sur ça mais bon, c'est pas grave. Bon allez, on se la fait. On va se la faire, on va se terminer ça. Voilà. Allez, on va essayer de tracer, de faire les choses comme il faut. Ya. Yeah. Oh putain. Si j'avais sauté, il aurait pu m'avoir avec le coup de l'épée. Oui, joli. Ah, ça joue là, ça joue technique. Alors là, on va voir si... Voilà, parfait. Hop. Hop. Mmh. Oui. Alors, j'aime pas trop aller au contact parce que sinon après je perds mon épée. Voilà. Et final screen. Final screen est pas mal d'ailleurs. J'aime beaucoup l'ambiance quoi, ça fait très ben voilà du duel de la mort quoi. Ah oh, putain, GG. Oh non. Et on revient en arrière. C'est ça qui est un peu chaud avec ce jeu, c'est que putain, on a l'impression d'avoir super bien avancé. Et en 2-2, l'IA ben, nous renvoie carrément de l'autre côté du niveau. Oh. Ça va, ça m'a avantagé le coup que ça buguait. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas si c'est avec Fraps ou quoi. Mais oui. Hop. Allez, le dernier. Oui. Cours, vol. On a la pression, on a attention. Oui, c'est bon, j'ai gagné. Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous rappelle, c'était encore une fois Nidhogg, disponible sur Steam, un jeu de combat, d'épée, d'escrime, de cap et d'épée. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao et à la prochaine.